Le 29 décembre dernier, les recherches menées par les plongeurs de la brigade nautique de Ouistreham et de Granville étaient restées vaines. Depuis ce matin, l'affaire de la disparition de Laurent Aubré, un Mondevillais de 34 ans qui n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis le 24 décembre dernier, semble sur le point d'être résolue. En effet, le corps d'un homme a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi, flottant à la surface de l'eau dans le port de Caen. Une nouvelle confirmée par le directeur départemental de la sécurité publique que nous avons rencontré aujourd'hui lors de la manifestation en hommage à Charlie Hebdo au mémorial de Caen. Nous avons cette nuit découvert dans le quai Vendôvre, sur le bassin quai Vendôvre, donc le corps d'un homme flottant, dont tout laisse à penser au regard des éléments que nous avons découverts sur la personne, qu'il s'agit très vraisemblablement de M. Laurent Aubré. Information corroborée en début d'après-midi par la procureure de permanence du parquet de Caen, joint par téléphone. Le corps retrouvé est bien celui de Laurent Aubré. Une autopsie sera d'ailleurs pratiquée lundi ou mardi prochain afin de déterminer les causes et les circonstances de sa mort.